السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون انا انجولار رقم 13 سويت انا ولي ليسون على الفات ده نهجو شي كيف الديريكتيف دول الور فوالا سان ترو تاردي نجيب لكم الابليكاسيون حقنا ده فوالا انينا سي كون افي ده فوق السيونس باسي ده ان جرو فوق الشان ده سوينا ديريكتيف بوركي اوتوماتيكيون كان غانا نكتبو ده ياخد ترينا عما يشكي سيت فواسي ده نسو اون اوتر ديريكتيف permettre les gens qui ont un nombre, il y a tout des chiffres de maille acceptés pour qu'il y ait l'HDF uniquement des nombres. Alors on va créer une directive nombre. J'ai créé la directive de Yahoo Yavis, qui est le plus important de l'IHA. Ensuite, je vais faire comment la directive Guida, qui est le plus étudiant, par exemple, je vais lui donner par exemple la valeur true, si vous voulez. Comme ça, là, je vais prendre cette valeur et je vais les récupérer comme input. En gros, il y a annotation input, là, décorateur input, là, qui permettra de récupérer les valeurs à l'inné, d'accord, yani, comme vous l'avez égal. Donc, normalement, nous retrouvons à l'inné. Ou bien, quand on a un input, on a une valeur à manquer. Voilà, nous voulons par exemple activer si vous voulez. Activer égale true. Voilà. En gros, nous voulons dire qui est active, qui est un boolean. Vous voyez, qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut aller l'input de notre nom. Nous allons récupérer la valeur de notre nom. Nous allons modifier. Il y a un autre nouveau logo qui fait un host listener. Host listener, c'est un listener qui écoute. Il écoute les modifications. Il y a une autre modification. Il y a une autre modification. Il faut que les. Bon, il y a un input. Alors, tu as le input, le host listener, il y a deux paramètres. Le premier, c'est une chaîne de caractères, le deuxième, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc, il faut que le premier, quel événement on veut écouter. Nous avons l'événement input, nous avons le key down, comme quoi nous avons appuyé sur le clavier. Par exemple, nous voulons après dans une toute fonction, écouter l'événement de si jamais un événement de gala, on va appeler une fonction, nous voulons par exemple transformer. Voilà. Transformer. Ok, on a obtenu un événement. Allez, nous voulons pour le moment quand on a le badin de jour. Du fou qui événement là on google juste console.log afficher l'événement guina on affiche l'actif il faut qu'il y ait de quoi voilà pour que d'ailleurs fonctionne d'ailleurs il faut qu'il a ajouté win comme on l'a ajouté une idée on va voir. Voilà, comme je vous disais, quand on a tout affiché, on va faire une chocolat brûlé à expression régulière. Donc, l'expression régulière de la. On a fait un problème réex. On a dit qu'on veut que la chaîne ait commencé avec un décimal. On va continuer que des décimaux, plutôt une catégorie. On va dans comptabiliser le nombre de fois. Voilà, en gros, dans on a défini notre chaîne de caractère. Il y a tout chaîne en regex, c'est la quand on survole, il y a un type de regexp, il y a une expression régulière. Alors, nous avons dit que voilà, on a interprété le choix de la saisie.
Voilà, Alkid R. Donc, on va s'intéresser plus au Alkid. Hein. Ou bien, quand même, si vous êtes intéressé, de Nogdoro directement, nous choulou le composant Element Ref. Element Ref. Voilà, c'est un outil très puissant, Nogdoro, directement, Nogdoro. Nous devons récupérer les éléments et nous modifier où. Donc, nous devons glisser pour un élément, pour un natif élément, pour une value où nous devons afficher pour le moment pour qu'il y ait tout le jour où valeur gâchée. Nous devons le point key. Voilà, allez tester la dernière chose. Alors, Zema, tu trouves d'ailleurs le key de la juste la dernière valeur saisie. Ou l'autre, en fait, la dernière valeur saisie de Gibalena. Ou l'autre, comment dire, Gibalena, toute l'expression. Donc, imaginons par exemple si à chaque fois dans le goulot if ça normalement indina régler ça guinéda pour le goulot expression régulière à l'expression régulière dans le goulot quand il match à l'ouda. Il existe pour une expression régulière plutôt. Ouais, test plutôt. Allez, on affiche un message juste pour voir. On va voir est-ce que quand on atteint le quai des nombres, est-ce qu'il va être vrai ou faux. En gros, Alouda, il n'entre jamais, on dirait. Alors en fait le problème d'une guitare en fait peut-être guillemets de là à la collade de là mais on dirait qu'il n'est pas content avec la collade de là. Alors Gibelin est chez nous. Comme si le gena qui est là et tout il n'affiche rien mais donc il faut. Mais comme si le ratien le qui est des entiers et là il y a voilà là il y a test fini super. Alors fini là initial condition là. En gros, il est dans la condition. Si cette condition est réunie, on a sur le nombre, la valeur saisie de ce nombre. Si la valeur saisie. Donc, quand il y a tout, quand la valeur saisie de valide, on est dans le chenou, tu fais rien. Sinon, normalement, le return rien, tu fais rien. Le comportement galgade sinon comment on va les stopper pour stopper dans tous les matchs on a de event point prevent default à l'event gagné là on lui dit de stopper de ne rien faire voilà je pense que comme ça je pense qu'on va peut-être trouver quelque chose de bien alors. Je vais cliquer dans le type le clavier là qui nous aurait mis. Ah. On dirait que même quand on active des nombres entiers, on aurait mis. Alors, je trouve tout là en fait, j'avais inversé les choses.
Gannouglou comme cette expression régulière est validée là. En fait, Gannouglou comme Michel a la valeur saisie de comme Michel. C'est un nombre de quitte. Non, normalement, quand la valeur saisie est incorrecte, il va quitter. Et invalide, nous l'avons. Donc, dans ces cas, tu quittes le programme. Tu quittes, yani, si tu ne modifies pas les champs input, l'inégalité du niveau, champ input à Guinada, face à l'IMDA, on ne fait rien parce qu'on quitte quoi. Alors, nous avons ce que nous voulons, s'il est invalide, y a tout, on quitte. Et s'il est valide, on va le quitter quoi. Voilà. Alors, quand il login, il faut que les permettre les n'abdoura. Mais en fait, Mouchkila, tout, c'est pas performant. À chaque fois, quand Michel Katabna 2 dans, quand Akhar Katabna 4, il joue toute la chaîne. Donc, objectif de ce n'est pas d'utiliser Al-Huda, mais objectif est d'utiliser l'event, déjà l'event D, il est plutôt de type keyboard event. Voilà. L'event est à tout, on va l'utiliser quoi. Je suis l'event key au Kedola. J'ai préparé un code fini. Yani voilà, c'est une gestion presque totale. Voilà. Il y a une, c'est le commentaire. Il faut que l'event. Alors, quand nous devons faire le domicile, contrôle A, contrôle C, contrôle V, touche des directions de là. D'accord, on ne veut rien faire. Il y a une zone là, il peut faire sans lui afficher quelque chose pour nous ce matin. Quand nous devons faire le domicile, on ne fait rien. Ensuite, il y a une deuxième partie, on a testé là, le coup de quoi. D'accord, il est testé quand la valeur a saisi, c'est vraiment un nombre là, il les laisse passer. En gros, on a lancé d'une seule pierre, lancé des oiseaux parce que, évidemment, nous sommes manipulation, on a expression régulière. Donc, Ouda nous gouchou, du coup, Aldopoulou nous gouchou. Il y a juste Aldopoulou pour les nommer correctement dans nos event EVT. Voilà. Mais en gros, n'oublions pas objectif à gagner quand on est à toi. Quand Michel active les losses à fil à jour, quand elle active de s'il est à tout uniquement, quand s'il est à false, on va pas faire le travail. Donc, tout ça, dans le cool de gagner en global, il faut être externe. On nous le if 10.actif. Donc, on fait le traitement. Sinon, quand on est, on fait pas le traitement. Voilà. Parfait. Donc, on a dit inutile d'azé on l'utilise pas. C'est coûté ou da, donc, il y a un moyen de réutiliser. Il y a directement l'événement da, à travers l'événement da. À chaque fois qu'on capte un nombre al guide da, tout, le dernier chiffre, il faut que tester. Man, je voulais tout le nombre, quoi. Donc, directement, gagner plus light. On va aller tester ou nous chauffer. Alors. Et qu'est-ce qui se passe? Effet démo le fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le problème là parce que clavier guida pour appuyer sur un chiffre, il faut faire tout appuyer sur. Shift en même temps, on tapait fil tout parti en chiffre de la fog. Je l'ai changé en clavier français numérique. Donc, pour ça, juste quand le cap lock d'activer directement l'active de la active à tout chiffre de la. Voyons voir maintenant, on va tester. Voilà. Chauffe tout ça. Nous copier une petite boîte gâtine. Une petite boîte gâtine, nous couper.
نقدروا نجري كود هني، نقدروا لو دون سولو كنترول ا نسيليكسيوني، نقدروا نسولو كنترول اكس نكوبي، نقدروا نسولو كنترول في نكودي هو كو. Voilà, en gros, c'est une très bonne directive finie. D'ailleurs, il y a un asset actif fini. Il faut que l'on soit actif. Mais on peut toutefois, pour ne pas faire plein de variables, nous avons juste les directives qui ont une valeur. On va dire, on récupère quoi? On récupère juste, plutôt, il faut que les directives là, on récupère juste les grands nombres. Ou souvent, les directives, ça va être à l'input, là, on récupère où? Oui, voilà, nous sommes au test de fog. Une console.log qui va être gâtée ne sert à rien. On va le dégager. On va l'enregistrer. D'ailleurs, en passant, là, on va le faire même pour la partie modification des étudiants. Voilà. Il faut que l'HTML, on a vu la partie en âge, on a vu le type number. On va le faire le type texte ou après. Là, le texte on est forcé pour qu'il active à tout que des entiers. Voilà, en passant dans notre draw, voilà, en passant dans l'inhaline, sont un peu de clean up, un peu de modification, vu que comme on a une directive de la haline, on utilise directive système de la. J'ai besoin d'un chiffre les composants le sont header là. Voilà. Header là, il y a plein de toutes les UL et I. Il y a UL white, il y a home, il y a. Donc nous devons créer un tableau avec tous ces éléments. Voilà. Maintenant, je vais créer un tableau menu par exemple fini. Tableau menu again là. Il va contenir awal keda. Première ligne de nous voulons nom par exemple, nous voulons home ou URL à gain, URL à de home en minuscule. Ensuite, de quoi est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin sûrement de la classe. Classe en L ou classe en A. Nous voulons LI class par exemple. LI class. Voilà, nous voulons LI nav link. Ou nous voulons plutôt nav item. De tout nous voulons LI en A. D'accord. Il y en a A, il y en a l'original item. Voilà. En gros, je pense qu'il y en a presque toutes les infos. Il y en a Houda, il y en a Houda, il y en a Houda, il y en a Houda. Voilà, on a la classe active que l'on a donné en tout. Ou bien. Ouais, je pense qu'il y en a la classe active. Bon, de toutes les façons, Al-Huda ou Al-Huda c'est répétitif. Donc, je pense pas qu'il y ait utile bilan. Il y a à chaque fois dans le choulou, l'Huda ou Al-Router ou Al-Name. Il y a un peu de temps qui varie. Il y a un peu de temps intéressant. Donc, en gros, on va créer un tableau d'objets où chaque objet a deux champs. Il y en a combien de menus? Le premier de Home. Le deuxième de nous voulons about. Oui, nous voulons about. Ensuite, troisième menu, nous voulons liste des étudiants de name. Oui, nous voulons liste juste comme ça. Séparé par des virgules d'annotation dans l'objet JavaScript de là. Ensuite, Indien Chenou, je pense contact. Voilà, contact. Voilà. Contact. Bon, nombre de l'objet de l'Union, c'est gouffre.
Voilà. Donc, en gros, le menu à Guinée, nous devons directement appeler où nous sommes un G fort. Voilà. Donc, il y a voilà. LI, tu fais un G fort. Un G fort. Tu boucles sur le menu. Let. Item dans tout, je ne sais pas, élément off menu. Menu de ce notre tableau. On va dire qu'est-ce qu'on va afficher ici dedans. Router link de, en fait, puisqu'il au lieu d'afficher juste un objet de notre drone, Google chez nous, tout à manquer. Puisque c'est une variable, Google directement, tu mets voilà, element. Point URL. Voilà. Voici comment il nous goulot sur l'interpolation. Goulot élément. Point nom. Voilà le coup de ligne que nous bouchons quoi. Dans tout nous a simplifié là. Donc c'est un Huda où on va enregistrer mais je vous qu'est-ce qui y rire. Rien n'a changé quoi. Voilà. Même à l'île de Nogdoron Solo, on a la partie inscription, connexion à la colonne Nogdoron Solo. Une variable. En fait, l'idéal c'est quoi? Au lieu de déclarer une variable menu, là, en gros, on a déclaré le header. À le header là. Si le badar, il va contenir, ça va être un objet. Si le badar, il est dans le menu get. On manquait. Ensuite, il est dans le title get. Donc, on va le prendre. On go le titre. Titre. Le titre, là, ça va être une chaîne de caractères, ça va être ça. Ensuite, il y a le menu. Donc, on a le droit de menu de gauche. Menu gauche, par exemple. Menu gauche. On a le droit un autre menu de droite. Une de deux items déclarés par la suite. Juste après, le tableau, d'accord. Donc, menu de droite inédit. Menu de droite à Guinada, il y a connexion, connexion, inscription, inscription, nous avons le lot. Voilà, nom de la connexion, une connexion avec C minuscule. Voltaire de inscription, inscription avec I minuscule à l'oeil. Voilà. Donc en gros, il y a un objet Z header de cette fois-ci. En gros, il y a Dada, nous affiche plutôt les headers, point ça, plutôt point titre, pardon. Voilà. Au lieu de lui dire off menu, nous voulons off header point menu. Voilà. Ou ma menu, nous sommes en menu gauche. Voilà, nous avons un retour à la ligne correctement pour qu'il soit un peu plus lisible. Menu gauche. Ensuite, on va faire la même chose. Faut que tu signifies partie en la connexion là. Partie en la connexion dans une nous. Voilà, in the faut que l'aile de une classe NAF. On a un router, une router link actif. Ou par la suite d'Indina. Ouais. Il faut les virer quoi. Nom ou l'URL. Donc, comme l'Inda, on l'a remplacé facilement par ça quoi. Oui, ça va pas être menu de gauche, mais ça va être une boucle. Il faut que le menu de droite à Guinée à définir. Voilà.
Uniqlo à l'Espagne, on va pas les garder. Super. Alina Unichou, qu'est-ce que ça va donner? Parfait. Tous les erreurs sont parties. Donc, supposons que Al-Hudada, ce n'est pas une variable en Inagan définie Rouhini, mais ça va être dans un service comme Tarfoud un dossier service Gatini, on va créer un service pour les headers. Il faut que les services Inida, on crée un dossier service. Il y a un nouveau NG générer service, un nouveau AMCHI générer les services de FINAC. Alors, NG générer service, pour le dossier service au pluriel, un nouveau service de Gishono par exemple, header. Header service inadi. Voilà, en tête, comme vous voulez. Ou à une partie, on va la couper. On a du faut que les services à Guinée les générer à header service là on goulot alors une date tu vas en faire ou bien Ali je suis habitué nommé get dollar Ali nous goulot à liste ou bien élément du élément le nom de fonction commence toujours en minuscule. Nous élément de quoi élément header par exemple. Bon, aligner durant la sélection page. Là, on va retourner ça. Tout ce qu'on a coupé là, on va les retourner. En général, les services retournent des observables. Donc, si vous voulez, là, on peut créer un type, une interface. Nous voulons, voilà, export interface. L'interface de nouveau logo à header par exemple on a tout une de trois éléments une de titre qui est de type string voilà. On dit un menu gauche ou menu droite qui sont des types qu'on va définir quoi menu gauche des types menu par exemple qu'on va créer par la suite. Au menu de droite, il va dire des types menu. Baden, on va créer l'interface menu en bas, Titini. Ou bien comme voilà, pourquoi nous avons le header service? Header interface, ou comme d'habitude, dans NAS, ils mettent un I, ou pas la I header, I menu pour I pour interface. Oui, quand c'est un header, il faut nous les de type iMenu. Bon, d'ailleurs, il va être un de type array de iMenu. Voilà. Parfait. Donc, à l'iMenu, il faut un nom de type string. Une URL de type string. Donc, à saline que là, on a notre fonction get element header de retourne un objet de type iHeader. Ou baden dans le header, on va lui dire va d'abord avant tout, il faut injecter notre header service de par dépendance. Glow private. Header de type header service. Bon, allez me coller au déni. Header service. Alors, il est là. Plutôt point virgule. Alors pourquoi oui parce que Khalil nous le header S pour dire service quoi. Voilà. On va importer le fichier à Guinada.
Bon, Aline Sol importe manuellement. On va lui dire d'importer ça d'où? Ok, on va partir du dossier courant, on va sortir. Ensuite, on va recouler un cran à l'extérieur. On a chauffé service. On ouvre l'eau, tu prends quel service? Header service. Alors, Inida, on va lui dire, tu me récupères ça. Point ça. Zaida. Odanugulo, bah tu les mets dans ça. Voilà, pour appeler Danugulo 10 pour dire que c'est ça. Ou 10 pour lui dire qu'il y a le service de quoi? Service header S. Voilà. Mais pour faire encore plus cohérent Danugulo, il faut qu'il y ait le type Aldada, il va être égal. Il y a les mêmes types en haut quoi. Faut l'importer. Parfait. On a pas mal de changements. Voilà, tout est bon, tout est bien parfait. Ensuite, en général, les imams en général, ils retournent des observables. Khali, on va les transformer en observables là. Quoi? Alors, il faut lui forcer un iHeader. Lui forcer le casting. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien peut-être le menu droit de là, il faut que lui forcer au même le go des arrêts des iMenu quoi. Alors, arrêt. Avec quoi Khalil nous déclarer une variable Khalil contenir tout ça là. Mini. Private. Non tout ça. Header. Le header à Guinada il va être de type iHeader. Au lieu de se casser la tête directement au boulot, tu fais un observable de ça. 10 points ça quoi. Oui, là, il va lui dire ça va être un observable type Agada. Plutôt un observable de iHeader. Je pense qu'il faut importer l'observable là. Quand Guinada, on va avoir des soucis, pourquoi? Parce que Hinidanina, on lui dit de prendre, enfin, il faut que Element il retourne un observable iHeader. Ou Hinidanina, on les récupère comme il y a tout, juste un élément iHeader. Donc, il faut que nous voulons ici, c'est pas un iHeader, mais c'est un observable. Des iHeader. Voilà. Donc, ça va pas fonctionner parce que Aninida gagne traiter les headers comme un Michel, un observable que quoi. Michel, un simple objet alors qu'il est un observable. Donc, Inida, ce serait mieux de récupérer ou comme un async, donc le ng-if. On a ça, async. Async, voilà, je vais y arriver. As, on a tout un nom.
par exemple Nogulo en tête, ou bien header data. Header data. On a du partout qui t'a appelé ou on va les modifier par ça. Tout comme Hinikulu. Voilà. Tout comme Hinikulu. Et comme ça, je crois qu'on va avoir quelque chose de visuel. Non. Hop. Je pense que il faut mettre les parenthèses. Non. Pourquoi? Je crois que Anina, on a utilisé ça quelque part. Ça doit être dans la liste des étudiants. Comment est-ce qu'on a fait? Je vous assigne que le projet également. Voilà. Ce qui nous intéresse de c'est ça. Mais pourquoi est-ce que Inida on a fait comme ça a marché? Mais de pourquoi est-ce que ça donne pas? Vous savez quoi? Je vais tout commenter. Juste, je vais afficher les header data. Est-ce qu'il a réussi à bien les parser ou non? Allez, on va l'afficher avec le pipe. Salam alaikum, on m'a rappelé en Angular. On a tâche suite. On a les sons alpha. On a du qui fait directive. Alors, voilà, sans trop tarder, nous avons l'application en Guinada. Voilà, Nina, ce qu'on a fait, il faut que les séances passées, en gros, il faut que les champs, là, c'est une directive pour que automatiquement, quand on a tout, des retraits en majuscule. Cette fois-ci, il y a une autre directive pour permettre les quand on a tout, il y a tout nombre, il y a tout des chiffres de maille acceptés pour qu'il y ait l'HDF uniquement des nombres. Alors, on va créer une directive nombre. J'ai créé la directive de Yaoulou Yavis, qui est le bled Ou, ensuite, je vais faire comment directive à guida n'ayiro filoubel étudiant inida par exemple graïuda. Je vais lui donner par exemple la valeur true si vous voulez. Ou, comme ça, là, je vais prendre cette valeur et je vais les récupérer comme input. En gros, une annotation input da décorateur input da me permettre de récupérer les valeurs alignées d'accord, comme vous le égal là. Donc, on va retrouver ici. Ou bien, quand on a notre input, on a notre valeur, il y a manqué. Voilà, on va par exemple activer si vous voulez. Activer égale true. Voilà. En gros, on a notre voilà, qui récupère active, qui est un boolean. On va dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut que l'input de nos soit sur le web. Il y a une donnée récupérée, elle va l'air en leçon de canard ou de modifier. Il y a une autre Google chez nous qui fait un host listener. Host listener de Yasama, tout Zima ou son gâte, un listener de écoute. Il écoutait les modifications de là. Ou il y a une donnée sur modification chez nous. Donnée sur modification, il faut que bon, il y a un input. Alors, il y a tout l'input, l'host listener de ici, les deux paramètres. Le premier, c'est une chaîne de caractères, ou le deuxième, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc, il faut aller le premier de nous, chez nous, quel événement nous avons écouté. Nous avons l'événement input, nous avons key down, déjà dit, comme quoi nous avons appuyé, il faut aller le clavier. Go Inida par exemple nous voulons après dans notre fonction yani écouter l'événement de si jamais qu'un événement de gala on va appeler une fonction nous voulons par exemple transformer voilà. Transformer
forme primitive, on a tout un événement. Allez, nous voulons unir pour le moment quand la badane du choufou qui est événement là. On voulons juste console.log afficher l'événement à Guinée. On a affiché l'actif, il faut qu'il nous aide quoi. Voilà, pour que d'ailleurs fonctionne, d'ailleurs il faut qu'il ait ajouté Winnie. Donc comme on dit, on l'a ajouté Winnie là. On va voir. Voilà, comme tu vois, quand on a tout le monde, il a affiché Winnie quoi. Badel, là, il dit que Charlotte boule à expression régulière. Donc, à l'expression régulière de la. On arrive à. Problème Rex Ray. On a d'autres boules que on veut que la chaîne qui n'a commencé un décimal. On va continuer que des décimaux, que des décimaux. Plutôt une quatrième. On va donner comptabiliser le nombre de fois. Voilà, en gros, Dani a défini notre chaîne de caractère. Il y a tout. Chaîne en regex, c'est quand on survole, il y a un type de regexp, il y a une expression régulière. Alors, voilà, on a interprété le choix à l'initiative saisie. Voilà, al qui de R. Donc, Anine, il va s'intéresser plus au le qui. Hein. Ou bien, quand même, si vous êtes intéressé de nous donner directement, nous choulons le composant element d'un element ref. Element ref. Voilà, c'est un outil très puissant. Nous donnons directement, nous donnons le on a récupéré les éléments, on a modifié où. Donc, on a le 10, on a un élément, point natif, élément, point value, où on a affiché pour le moment pour qu'il y ait tout le jour où valeur gâchement. On a donc le point key. Voilà, allez tester la dernière chose. Alors, j'aimerais que tu trouves d'ailleurs le key de la gentille, juste la dernière valeur saisie. Ou l'autre, l'autre. En fait, l'autre, la dernière valeur saisie de Gibalena. Ou l'autre, comme on dit, Gibalena, toute l'expression. Donc, par exemple, si à chaque fois dans le if ça normalement il y a un expression régulière, expression régulière. L'expression régulière dans le quand il match à l'oula. Oui, il existe pour une expression régulière plutôt. Ouais, test plutôt. Allez, on affiche un message juste pour voir. On va voir est-ce que quand on atteint le quai des nombres, est-ce qu'il va être vrai ou faux. En gros, Alouda, il n'entre jamais, on dirait.
Alors, en fait, le problème de l'inilgit, en fait, peut-être le guillemet de la collade de la, mais on dirait qu'il n'est pas content avec la collade de la. Alors, je vais aller chez nous. Je vais aller chez le qui est là et tout, il n'affiche rien, mais il faut le faire. Mais comme il a tenu le qui est des lentilles, et là, il y a voilà, il y a chez les tests fini. Super. Alors, fini d'initial condition là. En gros, il est dans la condition. Si cette condition est réunie, là, on a sur le nombre, la valeur saisie de ces nombres. Si la valeur saisie. Donc, quand il y a tout, quand la valeur saisie de valide, on est nous le chez nous, bah, tu fais rien. Sinon, là, normalement, nous le return rien, tu fais rien. Le comportement galgade quand sinon quand on va les stopper pour stopper la tous les machines en arrière de la event point prevent default à l'event gagné là on lui dit de stopper de ne rien faire voilà je pense que comme ça je pense qu'on va peut-être trouver quelque chose de bien alors je vais cliquer dans le type le clavier là qui m'a remis. Ah. On dirait que même quand on active des nombres entiers, on m'a remis. Alors, moi, je trouve tout là en fait, j'avais inversé les choses. Quand cette expression régulière est validée là. En fait, Ganoulou, comme Michel, à la. À la valeur saisie de Michel c'est un nombre de quitte non normalement quand la valeur saisie de incorrect il va quitter et invalide nous l'ont donc dans ces cas de tu quittes le programme tu quittes yani, si tu modifies pas les champs input l'inégalité du nouveau champ input à Guinada face à l'Inda on fait rien parce qu'on quitte quoi alors nous ce que nous s'il est invalide là, et tout on quitte et s'il est valide dans halou voilà alors quand j'ai login il faut que les houdada permettent les n'abdoura mais en fait mouchkila tout de c'est pas performant à chaque fois de comme il katabna 2 dans quand akhar katabna 4 nous choulou toute la chaîne quoi. Donc objectif de ce n'est pas d'utiliser Al-Houda. Mais objectif again utiliser les event déjà l'event day il est plutôt des de type keyboard event voilà event again là de base c'est tout on va l'utiliser quoi mais sur les event key ok de là j'ai préparé un code fini yani voilà c'est une fois de gestion presque totale voilà et au revoir c'était le commentaire. Il faut que l'événement. Event. Alors, quand nous devons faire le nom de c'est contrôle A, contrôle C, contrôle V, touche des directions de là. D'accord, on ne veut rien faire quoi. Yani, les autres, il peut faire sans lui afficher quelque chose pour nous ce matin. Quand on fait on ne fait rien. Ensuite, il dit notre deuxième partie, on a testé le coup de quoi. Donc, quand on a testé, quand la valeur a saisi, c'est vraiment un nombre, là, il les laisse passer. Au coup de en gros, on a lancé d'une seule pierre, lancé des oiseaux parce que, évidemment, nous sommes manipulation, on a expression régulière donc Ouda nous gouchou du coup al dakulu nous gouchou oui il a juste à l'aide pour les nommer correctement dans le event EVT voilà mais en gros n'oublions pas objectif à gagner quand à toi quand Michel activer les loose mode à fil à jouer. Canal actif de s'il est à true uniquement quand s'il est à false là on va pas faire le travail donc tout ça dans le cool de englobé il faut être externe
nouveau if 10 c'est bon et actif. Donc on fait les traitements. Ou sinon, comme on ne fait pas les traitements. Voilà. Parfait. Donc, on a dit inutile de zéro data, on l'utilise pas. C'est coûté ou data, donc, il y a un moyen de réutiliser. Il y a directement l'événement à travers l'événement. À chaque fois qu'on capte un nombre, il guide à tout. Le dernier chiffre, il faut que tester. Moi, je voulais tous les nombres. Donc, directement, il y a plus light. On va aller nous tester ou nous chauffer. Alors. Et qu'est-ce qui se passe? Effet démo, le fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le problème là parce que clavier guida pour appuyer sur un chiffre, là, il faut faire tout appuyer sur. Shift en même temps, on tapait fil tout parti en chiffre de la fog. Je l'ai changé en clavier français numérique. Donc pour ça, juste le cap lock d'activer directement l'activer. C'est activer les tout chiffre de. Voyons voir maintenant, on va tester. Voilà. Chauffe tout ça. Nous devons copier une petite boîte une petite boîte gâtine, couper. Nous devons sur le contrôle A, nous sélectionner, nous devons sur le contrôle X le couper, nous devons sur le contrôle V le coller ou quoi. Voilà, en gros, c'est une très bonne directive finie. D'ailleurs, on a cette actif fini. Il faut que l'on soit actif. On peut toutefois, pour ne pas faire plein de variables, nous voulons juste où sont les directives qui ont toute une valeur. Quoi. On va dans on récupère quoi? On récupère juste plutôt faut que les directives là. On récupère juste les grands nombres. Et où sont les directives de ça va être l'input là. On récupère où? Voilà, nous sommes testé de fois. Une console point log il va être ne sert à rien. On va les dégager. Ou on va l'enregistrer. D'ailleurs, en passant, là, on va le faire même pour la partie modification des étudiants. Voilà, il faut que le HTML, on a du fil parti en H da, on retrouve le type number da. On va le type texte ou après da. On va le texte, on est forcé ou pour qu'il active tout que des entiers. Voilà, en passant dans notre draw. Voilà, en passant dans l'in, on a un peu de clean-up, un peu de modification. Vu que comme on a directive de la ligne, on utilise la directive système de la. J'ai besoin d'un chiffre les composants ou son header là. Voilà. Header de indoga plein de tout de UL et I. Dina UL white indoga home indina. Donc nous devons créer un tableau avec tous ces éléments. Voilà. Je vais créer un tableau menu par exemple fini. Tableau menu il va contenir awal keda première ligne de nom par exemple nous home URL là de home en minuscule ensuite. De quoi est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin sûrement de la classe. Classe en L ou classe en A. Nous voulons LI classe par exemple. LI classe. Voilà, nous voulons LI nav link. Ou nous voulons plutôt nav item. De tout nous voulons LI en A, d'accord. De li en a
li yàlla na la alu day gën a fay tam voilà en gros je pense qu'il y en a presque toutes les infos il y en a houda il y en a houda il y en a houda voilà on a la classe active que l'on a donné en tout ou bien ouais, je pense qu'il y en a la classe active. On dit de toutes les façons à l'Ouda ou l'Ouda c'est répétitif. Donc je pense pas qu'il y ait utile. À chaque fois, dans le chouloulé, le router il intéressant. Donc en gros, on va créer un tableau d'objets où chaque objet a deux champs. Il y en a combien de menus? Le premier de Home. La deuxième de l'onglet About. Oui, About. Ensuite, troisième menu, liste des étudiants de Name. Liste, juste comme ça. Séparé par des virgules d'annotation dans l'objet JavaScript de là. Ensuite, Indien je pense contact. Voilà, contact. Voilà. Contact. Bon, nombre de l'objet de l'université. Voilà. Donc en gros les menus à Guinée nous devons directement appeler ou bien que nous sauf ng for voilà donc il y a le fil ul li da voilà li tu fais ng for ng for tu boucles sur les menus let item dans tout bien, je ne sais pas élément off menu de c'est notre tableau au bas de qu'est-ce qu'on va afficher inida faut aller dedans router link de en fait puisqu'il au lieu d'afficher juste un objet de notre drone goulot chez nous non tout à manquer puisque c'est une variable goulot directement tu mets voilà element URL voilà voici comment on met Google sur l'interpolation Google élément point nom ou le dollar que link que nous cherchons quoi dans tout nous a simplifié là donc c'est un Houda où on va enregistrer mais je vous qu'est-ce qui y a rien n'a changé quoi voilà même à l'île de Nogdoron Solo on a la partie inscription connexion à la colonne Nogdoron Solo une variable en fait l'idéal c'est quoi au lieu de déclarer une variable menu là en gros on a déclaré header à le header là il va contenir ça va être un objet le menu get on manquait ensuite il y a le title gatine donc on va le prendre on go le titre là ça va être une chaîne de caractères ça va être ça. Ensuite, il y a le menu, donc on a le goulot d'un menu de gauche, menu gauche par exemple, menu gauche, on a le goulot un autre menu de droite, une de deux items déclarés par la suite, juste après le tableau d'accord. Donc, menu de droite inédit. Menu de droite à Guinada, il y a connexion, inscription, on a un goulot. Voilà, nom de la connexion, une connexion avec C minuscule.
Botany de inscription, inscription avec I minuscule à l'oeil. Voilà. Donc en gros, Hinida, quand on dit un objet, c'est le header de cette fois-ci. En gros, Hinida, Dada, Google Chrome affiche plutôt les headers. Point, ça. Plutôt point titre. Pardon. Voilà. Au lieu de lui dire off menu, nous voulons off header point menu. Voilà. Ou ma menu, nous sommes en menu gauche. Voilà, nous avons un retour à la ligne correctement pour qu'il soit un peu plus lisible. Menu gauche. Ensuite, on va faire la même chose. Il faut que Titi puis partie en la connexion là. Partie en la connexion dans une chez nous. Voilà, il faut que l'aile de la classe NAF ou antenne router, une router link actif ou par la suite d'Indina. Ouais, il faut les virer quoi. Indina non ou l'URL. Donc, comme l'Inda, tout on l'a remplacé facilement par ça quoi. Oui, ça va pas être un menu de gauche, mais ça va être une boucle. Il faut que le menu de droite à Guinalani est défini. Voilà. Il n'est plus à l'Espagne, donc on va pas les garder. Super. Allez, je vous dis qu'est-ce que ça va donner. Parfait. Tous les erreurs sont parties. Donc, supposons que Alhudada ce n'est pas une variable en inégal définie Rohini, mais ça va être dans un service comme Tarfudendina, un dossier service Gatini. On va créer un service pour les headers. Nous faut que les services inida, on crée un dossier service. Nous voulons ng generate service, on voulons amchi générer les services de Fina. Alors, ng generate service au retafi dossier service au pluriel. Donc, au sommet service de l'édition, par exemple, header. Header service inadi. Voilà, en tête, comme vous voulez. Ou à une partie, on va la couper. On a du faut que les services à Guinée les générer à le header service là. On a goulot alors. Inida, tu vas en faire ou bien Ali, je suis habitué de nommer get dolmer. Ali, nous voulons à liste ou bien élément du élément le nom de fonction commence toujours en minuscule. Nous voulons élément de quoi? Élément header par exemple. Bon, Aline, du coup, c'est les petits pages. Là, on va retourner ça. Tout ce qu'on a coupé, là. On va les retourner. En général, les services retournent des observables. Donc, si vous voulez, là, on peut créer un type, une interface. Nous voulons, voilà, exporter interface. Voilà, interface de nouveau header, par exemple. On a tout une des trois éléments, une des titres qui est de type string. Allez, on a un menu gauche ou menu droite qui sont des types qu'on va définir quoi. Menu gauche, des types menu par exemple qu'on va créer par la suite. Au menu de droite, il va dire des types menu. Baden, on va créer l'interface menu en bas, Titini. Ou bien comme voilà pourquoi nous voulons le header service header interface ou comme d'habitude dans NAS ils mettent un i ou pas la i header i menu pour i pour interface oui quand c'est un header il faut nous voulons les de type i menu
Bon, d'ailleurs, il va être un du type array de iMenu. Voilà. Parfait. Donc, à l'iMenu, il faut un nom de type string. Une URL de type string. Donc, à ça, on a notre fonction getElementHeader il retourne un objet de type iHeader. Ou bien, dans le header, on va lui dire va. D'abord, avant tout, il faut injecter notre header service de par dépendance, glow private. Header de type header service. En ligne collée au ligne header service. Alors, il y a aller dans le Québec plutôt point virgule. Alors pourquoi? Oui, parce que aller dans le header S pour dire service, quoi. Voilà. On va importer le fichier à Guinada. En ligne, soit importe manuellement. On va lui dire d'importer ça d'où? Ok, on va partir du dossier courant, on va sortir. Ensuite, on va faire un cran à l'extérieur. On a choisi service. On nous voit tu prends quel service? Header service. Alors, inida, on va lui dire tu me récupères ça. Point ça. Zeda. On va nous voir bah, tu les mets dans ça. Voilà, pour appeler dans Google 10 pour dire que c'est ça, ou 10 pour lui dire qu'il y a le service de quoi? Service header S. Voilà, mais pour faire encore plus cohérent dans Google, il faut qu'il y ait le type Aldada, il va être égal, il y a le même type en haut quoi. Il faut l'importer. Parfait, on a pas mal de changements, mais voilà, tout est bon, tout est bien, parfait. Ensuite, en général, les émables, en général, ils retournent des observables. On va les transformer en observables. Pourquoi? Alors, il faut lui forcer un iHeader, quoi. Il faut forcer le casting. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien peut-être le menu droit de là, il faut que nous forcer au même le go des arrêts des iMenu quoi. Alors, arrêt. Avec quoi Khalil nous déclarer une variable Khalil contenir tout ça là. Mini. Private. Non tout ça. Header. Le header à Guinada il va être de type iHeader. Au lieu de se casser la tête directement, nous voulons
Tu fais un observable de ça. Disponible ça quoi. Oui, là, il va lui dire, ça va être un observable, type agra. Plutôt un observable. De iHeader. Je pense qu'il faut importer l'observable là. Quand Nidina, on va avoir des soucis, pourquoi? Parce que Nidina, on lui dit de prendre, enfin, il faut que Element il retourne un observable iHeader. Oui, on les récupère comme il y a tout, juste un élément iHeader. Donc, il faut que nous voulons ici, ce n'est pas un iHeader, mais c'est un observable de iHeader. Voilà. Donc, ça va pas fonctionner parce que Aninida gagne traiter les headers comme un Michel, un observable, quelque quoi. Michel, un simple objet alors qu'il est un observable. Donc, Inida, ce serait mieux de récupérer ou comme un async, donc le ngif. Ça async async voilà je vais y arriver as on a tout un nom par exemple nous voulons en tête ou bien header data on a du partout qui t'a appelé ou on va les modifier par ça tout comme Hiniklu. Voilà, tout comme Hiniko. Et comme ça, je crois qu'on va avoir quelque chose de visuel. Non. Hop. Je pense que Hinida, il faut mettre les parenthèses. Non. Pourquoi? Je crois que Anina, on a utilisé ça quelque part. Ça doit être dans la liste des étudiants. Comment est-ce qu'on a fait? On fait une chauffe à 5 le projet Gana. Voilà. Ce qui nous intéresse de c'est ça. Mais pourquoi est-ce que Inida on a fait comme ça a marché. Mais de pourquoi est-ce que ça donne pas. Vous savez quoi? Je vais tout commenter. Juste je vais afficher les header data. Est-ce qu'il a réussi à bien les parser ou non? Allez, on va l'afficher avec le pipe.